Ils vous font rire quotidiennement. À force d'abnégation, ils se sont imposés dans votre vie progressivement. Frérot, j'ai des cheveux, tiens une calvitie, tu veux pas parler. Mais alors les transitions, c'est comme la loi selon Dupont-Moretti. C'est en option. Ce qui marche chez le premier, c'est la finesse de son écriture. Il a l'art de la formule et prend le temps d'écrire avant de dire. Olivier Véran a sorti un livre. Un livre sur sa gestion du Covid. Donc, ouais, le Covid pour les nuls. Et par les nuls, visiblement aussi. Ce qui marque chez le second, c'est l'extravagance improvisée. Tu veux faire un duo avec moi? Allez. Allez. Mais moi, c'est mon rêve de faire de ventriloquie. Je vais te mettre la main dans... Et je vais te faire parler. Il ne sait pas ce qu'il va dire jusqu'à ce qu'il doive l'improviser. Ici, 1-0 pour Naïm parce que malgré le talent de Redouane, l'invention ou l'art de créer, de réfléchir à ses idées est une des compétences essentielles de l'orateur.